Et vous voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le 8 juillet 2024, je tenterai de faire cette vidéo à Brest. Aujourd'hui, je vais parler en français ici, aujourd'hui. Les Français, les Africains, bonjour à tout le monde. Tous les ressortissants africains en France, bonjour à tout le monde. Tous les étrangers en France, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos en français. Aujourd'hui, je vais parler en français un tout peu. Pas beaucoup, hein, parce que je ne suis pas français. Je ne peux pas parler en français comme les Français. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis que je vais faire une petite vidéo pour les Français, pour les notre amis français, mes amis français. Bonjour à tout le monde. C'est Fofana Haruna, créateur de Fabos de Sara. Aujourd'hui, le 8 juillet 2024. Je suis en train de faire cette vidéo à Brest, Finistère. Donc, aujourd'hui, je vais parler l'élection des législatives en France. Les résultats hier à Paris. C'était. Mais aujourd'hui, on est heureux. Si je dis on est heureux, parce que ces nouveaux fronts populaires qui sont pris en tête. Hier, le 7 juillet 2024 à Paris, la République a été remplie, les étrangers. Mais, je vais adresser Marie Le Pen, je vais adresser Bardella. Écoute-moi bien les partis. Rassemblée nationale là. Écoutez-moi bien. C'est ça que j'ai dit mon ancien vidéo, c'était le 4 octobre 2020. Je l'ai dit ça ici à les réseaux sociaux. Mais je vais le dire ici encore aujourd'hui, le 8 septembre 2024 à Brest. Aujourd'hui, moi je ne cache pas. Je suis malien. Je suis étranger dans ce pays. Mais nous, les étrangers, pourquoi? Mais attends, ce que moi je vais te dire, les rassemblements nationaux, les partis rassemblements nationaux, écoute-moi bien. Mais aujourd'hui, nous, on va féliciter Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris en tête hier, devant tout le monde. Mais quand on parle des géopolitiques ici, les politiques français, les politiques maliens actuellement, mais ça c'est entre les politiciens. Mais les peuples français et les peuples maliens, par exemple, actuellement, avant je parlais que les Mali, mais actuellement, j'ai changé. Actuellement, je parle l'alliance des États du Sahel en Afrique de l'Ouest. Nous, on va féliciter les nouveaux fronts populaires en France. Aujourd'hui, les géopolitiques, actuellement, c'est compliqué. Je vais dire à Marie Le Pen et Bardella, les mondes là, on est avancé. On n'est pas dans les mondes les années 60. Écoute-moi bien. Fofana Haruna, que la trouve boss de Tisra, je ne perds personne. Nous, les étrangers, on est en France. On paye notre impôt ici. Nous, on est venu travailler. On n'est pas venu faire quelque chose ici. Mais les Français et les Français, tout le monde va écouter ici aujourd'hui. Je ne connais pas les autres pays en Afrique, mais c'est nous, l'alliance des États du Sahel, Mali, Burkina et Niger. Bientôt, les ressortissants de l'alliance des États du Sahel, nous, bientôt, nous, on retournera, c'est nous. Vous n'avez pas besoin de rapatrier, c'est nous. Nous-mêmes, on va partir, tout seul. On va partir, c'est nous.
Ce que moi je vais te dire, les générations actuellement, moi j'aime bien les Français. Moi je ne vais pas contre les Français. Actuellement, je vis en France. Je ne vais pas contre les Français. Mais entre l'État malien, l'État français, il ne comprend pas. Il ne comprend jamais ce que Macron il décide et ce que Assimi Kota il décide. Ce n'est pas pareil. Ça c'est entre les politiques, ça c'est entre les politiciens, ça c'est entre les diplomaties. Mais nous, les populations françaises et les populations l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et cette vidéo, je vais profiter de dire à Marine Le Pen, faut réveiller toi. Nous les Africains, c'est nous les Africains, nous on frappe quelqu'un sans prendre des bâtons, nous on ne jette pas des cailloux à quelqu'un. Mais si nous on frappe. Si nous on frappe, c'est vraiment ça, c'est une douleur, Marine Le Pen. Ce que je vais dire ici avec mon prêve, Marine Le Pen, ça c'est quelle application? Ça c'est quelle publicité? Marine Le Pen, il gouvernera pas jamais en France jusqu'à la mort. Marine Le Pen, c'est que moi je vais te dire. Je ne suis pas contre les Français. Moi, j'aime bien les Français. Et mes amis français, ceux qui sont partis voter pour le nouveau Front Populaire, on va vous féliciter. Parce que nous, on connaît Jean-Luc Mélenchon. Il a fait beaucoup de tournants en Afrique. Ouais. Même à son dernier tournant en Afrique, c'était au Sénégal. Mais nous, on respecte quelqu'un. Si tu respectes nous aussi, hein. Nous, on respecte quelqu'un si tu respectes nous aussi. Mais quand tu ne respectes pas nous, on ne peut pas te respecter. Marine Le Pen, si tu as envie de gouverner en France, si tu as envie de gouverner en France, faut changer de ton sujet, l'immigration. C'est pas quoi je dis. Tu n'as rien à dire. Même Mali et France, s'ils ne comprennent jamais, ça c'est entre les politiciens. Ça c'est entre les géopolitiques. Moi j'en ai beaucoup d'amis à Paris, en France. Pas qu'à Paris, en France, partout. Les Français. Mais quand je vois. Il y a beaucoup d'Africains, ils vont dire que les Blancs, ils sont racistes. Même il y a beaucoup de Noirs, ils sont racistes. C'est nous, il y a beaucoup de Noirs, c'est nous aussi, ils sont très très racistes. Ils n'ont pas envie de voir les Blancs, c'est nous. Mais ça c'est autre chose. On est dans les 21e siècle. Les générations maintenant, on va vous réveiller. Nous, on a envie de développer. On n'a pas envie d'aller en derrière, arrière, quoi. C'est pas. Les Français, félicitations à vous. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris en tête hier à Paris. Les étrangers, quand même, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Mais ça, c'est une petite message à tous les étrangers qui sont en France. Même. Aujourd'hui, même après 100 ans, même si vous vivez ici 1000 ans, vous n'êtes pas chez vous. Il faut que vous compreniez que on ne restera pas ici. Ça, c'est clair et net. On n'est pas dans notre pays. Parce que Marine Le Pen ne laissera pas à son sémé. Ça, c'est clair et net. Hein. Il va continuer, Marine Le Pen, il faut continuer. Il faut continuer à battre. Mais tu n'y auras pas. Hein. Aujourd'hui, je vais profiter de saluer à Jean-Luc Mélenchon qui adorait les étrangers en France. Je ne peux pas parler. Même il y a beaucoup d'étrangers ici aussi. Quand tu es venu, c'est quelqu'un. Faut te calmer, tu n'es pas chez toi.
Quand tu viens chez quelqu'un, tu n'es pas chez toi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de violence. Mais c'est quoi? Quand tu viens chez quelqu'un, pourquoi tu fais des conneries? Nous les étrangers, nous tous, on n'est pas pareils aussi. Il y a beaucoup de gens ici en France, ils font que les conneries. Je vais dire ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de étrangers ici en France aussi, ils sont imbéciles. Donc, vous n'êtes pas, c'est vous. Respectez les gens. Vous êtes venus en France, c'est pas... Ici, c'est en France. Égalité, fraternité. Mais les Français respectent toutes les règles. Mais pourquoi vous, les étrangers, c'est pas quoi je vais te dire. Moi, je suis étranger. Hein? Je suis étranger même. Mais quand il vient, c'est quelqu'un, il faut respecter. Si les Français ils viennent chez Mali, les Français ils vont respecter les Maliens aussi. Si les Français ils sont partis en Afrique, ils vont respecter les Africains. C'est comme ça la vie. Si tu viens chez quelqu'un, faut... même moi, quand tu viens chez moi, il faut me respecter. C'est comme ça. Quand tu ne respectes pas, tu dégages. Ça, c'est le point final. Vous allez que Mélenchon. Vous pensez que vous allez que Mélenchon, il va venir. C'est lui qui va choisir le premier ministre. Du coup, Emmanuel Macron, du coup, si une loi qui va voter dans l'Assemblée française, du coup, c'est les Front Populaire qui vont prendre la décision maintenant. Tout le territoire français, même il y a des réformes, les réformes retraites en France, il y a beaucoup de problèmes. Macron et Emmanuel Macron, le président français, même actuellement, on n'est pas des relations. L'alliance des États du Sahel et entre l'alliance des États du Sahel et en France, ça c'est autre chose. Mais entre nous, les peuples français et les peuples de l'alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, nous on ne s'en ira jamais. Hein. Toujours moi, de mon pays d'abord, Mali d'abord, Niger d'abord, Burkina Faso d'abord, l'AS, l'Alliance des États d'Israël. Je vais vous féliciter, tous les pays de l'Alliance des États d'Israël, les trois pays, ils sont prêts à son destin, à son sommet. Ça ne changera pas. Les 6, c'était moi, 2024. L'Alliance des États d'Israël, ils ont fait le premier sommet au Niger. Capitaine Ibrahim Traoré, Ibrahim Tchani et Assimi Goïta. La patrie ou la mort, vive l'AES, vive de l'Alliance des États d'Israël. Quand tu vois les géopolitiques sahéliennes, nous, c'est nous. Nous, on est venu en France, on est venu travailler, on n'est pas venu faire autre chose ici. Je ne connais pas tous les Africains qui sont vivants ici. Je ne connais pas tout. Hein. Donc, félicitations, Zali qui Mélenchon, nouveau Front Populaire qui sont pris en tête hier à Paris, le 7 septembre 2024. Paris a été ambiancé. Paris a été... C'est pas quoi, je vais dire. Du coup, Zali qui Mélenchon, félicitations à toi. Et ce que moi, je vais dire, les étrangers en France, respectez les Français. Ça, c'est clair et net. Vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Parce que si les Français partent, c'est nous aussi, ils respectent. C'est comme ça. Nous, on est étrangers en France. Et si les Français ils partent, c'est nous aussi, ils sont étrangers là-bas. Point final. Ça, c'est parce que... Bon, attends, je vais arrêter ici, quoi, parce que je ne peux pas parler en français, hein, comme les Français. Désolé, je ne suis pas français, donc je suis malien, je suis burkinabé, je suis nigérien. Donc, voilà.
Notre fédération de l'Alliance des États du Sahel a été faite. Notre, les trois dirigeants des États du Sahel, Abdourahmane Tchiani, capitaine Ibrahim Traoré, dégage des publicités là. Assimi Koueta, ils sont décidés de faire, de parler des fédérations des États du Sahel. Ils ont parlé beaucoup de choses. Donc, c'est nous, en Afrique, déjà, les ressources naturelles, c'est nous. Il y en a beaucoup. Par exemple, l'uranium, lithium, diamant, l'or, toxique. Il y a beaucoup de choses, c'est nous, hein. Attention. Mais ils ont dit que c'est nous qui sommes plus pauvres dans le monde. Mais on va voir. On va voir. Bientôt, dans quelques années, tous les ressortissants de l'Alliance des États du Sahel ne restera jamais en France. On va partir chez nous-mêmes. Donc, vive la France et vive l'Alliance des États du Sahel. On va être unis les Français, si vous voulez. OK? On va être unis, on va donner la main, on va travailler ensemble, si vous voulez. Et si vous ne voulez pas, chacun va rester à son domaine, chacun va rester à son cas. Voilà, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo à Brest, région de Bretagne, ville de Brest en France. Aujourd'hui, le 8 septembre 2024. Félicitations les nouveaux fronts populaires, l'élection des législatives en France. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Et je vais adresser tous les amis français et tous les Africains. On va être unis. Les générations 21e siècle. D'accord? Donc à la prochaine vidéo, abonnez-vous de cette chaîne YouTube. Voilà. À la prochaine vidéo. C'est un drapeau malien a été adapté au Mali en 1960. À la prochaine vidéo.